Voici une salle de classe en 1950. Qu'est-ce qu'on constate? On constate de la rigueur, on constate de la discipline. À l'époque, les professeurs appelaient les enseignants, les élèves, pardon, par leur nom de famille. Monnier, Rivalin, Aymont. Les élèves viennent à l'école pour acquérir des connaissances. Les pupitres, une trentaine, alignés vers l'avant, et le professeur qui vient déferler son savoir. Et ce modèle de classe en 1950 est parfait. Est parfait pour ce qui les attend. Qu'est-ce qui les attend? Une économie qui va bien, qui est stable, rien ne change, les travailleurs font toujours la même chose, c'est répétitif, on est dans une production locale, et ces gens-là vont faire un travail pratiquement toute leur vie. Et voilà, en 2018, où nous en sommes. Nous sommes dans des endroits le fun, comparativement aux usines de la photo précédente, 5 à 7, jeudi soir, partez de Noël, on est dans un nouveau mode de travail. On travaille en collaboration avec la technologie qui est omniprésente. Et dans certaines entreprises, c'est même un avantage concurrentiel. Uber, Airbnb n'existe pas sans technologie. Le mot d'ordre, c'est l'innovation. Parce que toute la production, vous savez, se fait en Asie, se fait à l'extérieur. Si les entreprises n'innovent pas, on disparaît. Les technologies sont omniprésentes. Et on est là pour résoudre des problèmes complexes. La société change énormément. Et comment on prépare ces futures personnes qui vont travailler? Comme ça. Quelle est la différence par rapport à la première photo, à part qu'elle est en couleur? On a encore une trentaine de bureaux. On regarde en avant. Le prof est là, vient déverser ses connaissances auprès des jeunes. La gestion de classe, silence. On apprend encore ça dans les universités. Une bonne gestion de classe, c'est le silence dans la classe. Les technologies, pratiquement absentes. 2-3 ordinateurs sur le côté quand ils marchent, avec un peu de chance. On prépare pour le secteur secondaire, très peu pour le secteur tertiaire. Vous y êtes passé, j'y suis passé, c'était dur pour moi. J'étais divergent, je posais des questions, j'étais hyperactif, j'étais plus souvent à l'extérieur que dans la classe. Je dérangeais, et quand je comprenais trop vite, je faisais des blagues. Je m'en suis bien sorti, fort heureusement. Alors je vous annonce que l'école doit se réinventer. Monopole de la connaissance. Les connaissances, actuellement, sont dans les poches des élèves. Si les élèves font 2 heures de transport pour venir à l'école pour acquérir des connaissances qu'ils ont dans leur poche, cherchez l'erreur. Et on se pose des questions, pourquoi il y a tant de décrocheurs actuellement au Québec ? Mais dans le monde également. Actuellement, vous avez beaucoup d'étudiants qui ne vont plus à l'université. Ils vont faire des MOOC, Massive Online Courses. Une douzaine de MOOC, ils coûtent 400 $. Meilleures universités au monde, meilleurs profs. Ils vont voir les employeurs en disant, voilà ce que j'ai fait. Donnez-moi une job, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Si on ne change pas le système éducatif, il part à sa perte. Nous entrons dans la 4e révolution industrielle, celle du numérique. Et attention, ça va frapper et ça va frapper très fort. J'ai regardé encore une vidéo ce matin, un robot qui prenait des feuilles de plywood et qui les mettait sur le mur. Nous sommes rendus là. L'avènement de l'intelligence artificielle va avoir un impact énorme dans nos sociétés. À l'époque, c'était les robots dans les usines. Mais actuellement, nous le savons, les algorithmes d'intelligence artificielle diagnostiquent mieux les cancers de la peau que des dermatologues. Les radiologues, c'est pareil. Les avocats qui font de la jurisprudence, ils vont perdre leur job. Les taxis, les transports, on n'en parle même pas. Les enjeux sont complexes. Nous sommes dans une société qui va excessivement vite. Regardez ce qui se passe aujourd'hui et pensez à ce qui va arriver dans 10 ans. Nous savons que la moitié des gens ici qui ont un travail vont le perdre ou vont être complètement modifiés. 2/3 actuellement des emplois que les jeunes de mon école au primaire vont faire, n'existent pas. Et les écoles doivent préparer ces jeunes-là. Comment? À la façon que je montrais au début. Chercher l'erreur. Voilà ce qu'il faut développer dans les écoles. Ces compétences-là. Ce qu'on appelle les 5 C. La collaboration. Il faut apprendre aux jeunes à collaborer. On ne peut plus résoudre des problèmes seuls dans notre société. La communication habile, à l'oral, à l'écrit, dans différents contextes. Je vois trop de personnes en entrevue qui ont des super CV, et qui ne savent pas se vendre. Il faut savoir se vendre. La pensée critique. Allons-nous accepter que des robots militaires tuent des humains?
Est-ce que les jeunes savent ce qui rentre dans leur fil Facebook et Instagram est complètement filtré? En une société, il faut développer la pensée critique chez nos jeunes et sa presse. Nous devons être complémentaires de l'intelligence artificielle, la compassion, la gestion des émotions, les relations humaines, il faut la développer. On ne pourra pas concurrencer l'intelligence artificielle sur son terrain. Et la dernière et la plus importante, la créativité. La créativité est la compétence du futur et la compétence vitale. Je l'ai mentionné, les enjeux sont massifs. La production se fait à l'extérieur. Nous devons inventer des produits et des services dans notre société. Alors, qu'est-ce que c'est que la créativité? Il y en a qui disent « c'est inné ». L'intelligence qui s'amuse, Einstein disait. C'est relié au biologique. C'est la capacité à trouver des solutions originales à des problèmes. À faire des liens entre des choses qui n'existent pas en partant. Avoir une attitude, une posture créative. Être ouvert d'esprit. Écouter les idées des autres. Être empathique. Steve Jobs disait que la créativité, c'est faire des liens. Tisser des liens entre eux. On n'invente rien. Et pour ça, il y a un processus. En quatre phases. La première chose, la plus importante, c'est la préparation. Développer la curiosité chez les jeunes enfants pour garnir sa bibliothèque interne de connaissances. Tout de suite, ne pas les spécialiser. Faire des arts, de la musique, de la danse, de la science, des sports. D'où l'importance dans les écoles d'avoir du parascolaire pour ne pas venir juste acquérir des connaissances. Développer les cinq sens, en faire des polymathes, comme Léonard de Vinci, qui était inventeur, qui était scientifique, qui était sculpteur, Saint-Exupéry, aviateur, philosophe, auteur. La phase d'incubation, très difficile actuellement. On a deux minutes, on accroche notre téléphone pour regarder les nouvelles, pour envoyer un texto, pour lire nos courriels. Nous laisser la chance de laisser émerger l'idée. Le classique cliché, sous la douche, en courant, en marchant dans le parc, dans la voiture, quand on n'écoute pas la radio à fond la caisse. C'est prouvé chez les moines qui font de la méditation que les ondes gamma augmentent. Donc plus de liens neuronaux. Donc il faut nous laisser le temps à un moment donné que l'idée émerge. Dans notre cégep à Sainte-Anne, on a créé un programme d'Arlette et communication, profil science, innovation et créativité. On a même pensé à un moment donné faire une période de rien. Pendant une heure de la semaine, il ne se passe rien. Pas de techno, pas de crayon, pas de feuilles. Les gens viennent se déposer une heure dans la semaine. Enfin, la phase d'inspiration. Celle-ci, il faut la laisser venir. Et quand elle vient, il faut la capter. Il ne faut pas tout de suite passer à autre chose. Prenez la note, vous l'écrivez et vous passez à autre chose. Et le plus difficile, et c'est là que 95% des idées vont disparaître, l'innovation. Quand vous avez une bonne idée, faire en sorte de l'amener jusqu'au bout. Ça prend du courage, ça prend de l'énergie, des processus, des équipes, pour que l'idée devienne une innovation. Et malheureusement, on a 95% de belles idées qui sont actuellement nulle part. Alors, l'école est-elle prête, selon vous, à ce que je viens de vous dire? À l'école, on travaille par silos, maths, français, anglo. Aucun lien entre les matières. Comment voulez-vous être créatif? Alors qu'on a dit que c'était ce qui était multidisciplinaire, qui était important. On a des standards, des notes, des normes, des règles d'admission ou de réadmission. On donne aux élèves des problèmes dont ils connaissent les solutions. Ça sert à quoi? On n'a pas de sens dans les apprentissages qu'on leur donne. On est encore beaucoup dans le par cœur. Un site web, Little Woods, mentionne qu'entre 2 et 5 ans, les jeunes posent 300 questions. Quand ils arrivent à l'école, 20 questions, cherchez l'erreur. Ken Robinson, un spécialiste en éducation et en créativité, va même jusqu'à dire que l'école actuellement tue la créativité. Churchill, on a dit que c'était un cancre. Einstein, dit la liberté. Richard Branson, des décrocheurs. Eux ont réussi. Pensez à tous ceux qui sont actuellement sur les bancs de la société qui n'ont pas réussi, des talents incroyables, créatifs, parce que l'école ne s'est pas adaptée à eux. Nous sommes dans une culture de la note. Notre cégep place le plus d'étudiants dans les programmes contingentés à l'université. À quoi pense un étudiant quand il vient chez nous? Cotter, 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 cotter. Pensez-vous qu'il pense à développer la créativité, la collaboration, l'esprit critique? Il a besoin de son 33 pour entrer en droit, ou 36 ou 37 pour entrer en médecine. On a un problème de normes.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Première chose, arrêtons le bourrage de crâne. Développons des compétences, les compétences que j'ai mentionnées tout à l'heure. Plus de place au processus. Plus de place au processus. Est-ce que vous vous souvenez de vos notions de bio en première secondaire il y a 10 ans? Zéro. Et si vous en avez besoin, dans la poche. La connaissance, elle est dans la poche maintenant. Les mettre les élèves en action pour qu'ils résolvent des problèmes. Apprendre des méthodes d'idéation, des méthodes de créativité. Chapeau de Bono, différentes méthodes de brainstorming, ça existe, pas de compliqué. Faire de l'erreur un pilier dans l'apprentissage. À l'école, on punit l'erreur. Flaf, zéro, en rouge. Alors qu'on le sait maintenant, l'expérience est la somme de nos erreurs. Pour y arriver, il faut changer la culture de nos écoles. Et il faut que les profs changent leur rôle. Ce ne sont plus des passeurs de connaissances. Plus maintenant, c'est fini. Sinon, les jeunes vont rester à la maison. Ils doivent être des mentors, des coachs, des motivateurs. Leur job, c'est préparer des problèmes en aval que les élèves vont résoudre en équipe, de manière créative. Des problèmes complexes. Il ne faut pas les sous-estimer, les jeunes. Et pour ça, entre autres, il faut revoir nos prisons, pardon, nos écoles. Lapsus prévu. Actuellement, nos écoles ressemblent à des pénitenciers. Nos classes, vous l'avez vu, n'ont pas changé. 36 bureaux, 23 kilos, le prof devant avec un peu de chance à un tableau numérique. Waouh! Il faut changer les classes. Il n'y a plus d'avant chez nous, il n'y a plus d'arrière. Il y a un canon de chaque côté, il y a un écran de chaque côté, le prof est au milieu. Les tables se montent, se baissent. Si le jeune apprend mieux debout, pourquoi doit-il s'asseoir? Il y a des tabourets. Les tables sont sous roulettes, les chaises sont sous roulettes. Il faut des classes flexibles. En 2 minutes, vous devez pouvoir réorganiser votre classe. Il faut de la lumière, il faut que ce soit le fun, il faut que ce soit éclairé. Pour que les jeunes puissent collaborer. C'est essentiel. Et pour faire ça, ça prend du leadership audacieux. Ça prend du leadership créatif. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de faire comprendre aux enseignants qui sont allés à l'école, qui sont allés au cégep, qui sont à l'université et qui sont revenus à l'école, qui ont bien réussi à l'école parce qu'ils y sont profs, que la société évolue, que les emplois évoluent. Quand les jeunes arrivent sur le marché du travail, ouf, on leur dit comme d'habitude, qu'est-ce que tu as appris? Ta cotère, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu es créatif? Est-ce que tu sais collaborer? Parler une langue, deux langues, trois langues? C'est ça qu'on leur demande. Et c'est ça qu'on ne leur apprend pas. Investir dans la formation. Est-ce qu'on irait voir un dentiste qui ne s'est pas formé pendant 10 ans? Non, on envoie nos enfants dans les écoles alors que vous savez bien que l'éducation, ce n'est pas l'endroit où on forme le plus. Cherchez l'erreur. Ces jeunes-là, ce sont des élèves du primaire de chez nous, ils sortiront de l'école dans une quinzaine d'années, ils vont rentrer sur le marché du travail. On ne sait pas quel emploi ils vont faire, parce que je vous l'ai mentionné, les deux tiers, on ne les connaît pas encore. Data scientist, il y a 2 ans, personne ne savait ce que c'était. Il y a des comme ça, là, on peut voir. Des problèmes, il va y en avoir des plus complexes qu'aujourd'hui, surtout si on ne les règle pas aujourd'hui. On nous le dit, 2 ans pour régler le problème dans l'environnement. Il faut faire de la décroissance. Ouh, bonne chance. Bonne chance. Je pense que la solution, ça va être de trouver des innovations, des machines qui vont nous sortir du CO2 pour remettre dans la cour, dans la terre. Ça existe déjà. Il va falloir trouver des idées. Et pour ça, il va falloir être créatif. D'où l'importance de la développer à l'école. Alors, est-ce qu'on va enseigner la créativité comme on enseigne les maths et le français? Non. Mais on peut enseigner les maths et le français en développant la créativité. Et pour ça, soyons créatifs. Merci.